bien, bonjour. Alors, vous venez d'où et vous voulez courir pourquoi? Alors, qui êtes-vous d'abord? Anne Grenier. Oui. Je fais la course de 10 km. D'accord. Voilà. Et c'est la première fois que c'est cette édition, là, je crois, c'est ça, la première édition. Oui. Oui. Et vous êtes venue pour quoi? Pour le plaisir? Parce que vous soutenez une association? Pour le plaisir et pour notre club aussi. Alors, votre club, c'est donc Saint-Léonard de. C'est à côté de Fécamp. À Fécamp, d'accord. C'est l'ASSL. Et vous courez régulièrement? Oui, oui, oui. D'accord. C'est-à-dire combien de fois par... 4 fois la semaine. D'accord. Et des courses, en fait, tous les combien? Tous les 2-3 mois, à peu près. Pardon? Tous les 2-3 mois. Tous les 2-3 mois, voilà. D'accord. Dans la région, aux alentours de Fécamp? Oui, on va aussi... Partout. 40 km à la ronde. Oui. Toute la Normandie. D'accord. Et vous faites quelle distance, en général? Jusqu'à semi-marathon. C'est voilà, jusqu'à semi-marathon. Ah, quand même, voilà. Quand même, d'accord. Et vous êtes un gros groupe ou c'est plus des amis ou c'est plus un club de sport? C'est un vrai club de sport, d'accord. Ah, okay. Un club de fitness avec des enfants. D'accord, ok. Et vous organisez aussi des compétitions de temps en temps dans votre club? Enfin, pour les enfants, après, quand on va en compétition comme ça, sur le coup. D'accord. Vous ne verriez pas faire une organisation comme celle d'aujourd'hui? Si, mais avec les autres clubs de Fécamp. Voilà. Ah, d'accord, pas uniquement vous. D'accord. Une assez grosse structure. D'accord. Eh ben, très bien, ben, on va vous souhaiter une bonne course. Merci. À tout à l'heure. Merci. Bonjour, alors vos prénoms tout d'abord, cher coureur. Yannick. D'accord, alors vous, c'est la première fois évidemment que vous venez puisque c'est la première course. Vous avez l'habitude de courir, j'imagine? Oui, tout à fait. On pratique régulièrement toutes les semaines, à peu près 4 fois par semaine. D'accord, vous êtes dans un club? Oui, donc on est au club des coureurs du Lin à Douteville. Douteville, c'est une petite commune qui se situe à 10 km d'Yvetot. D'accord. Vous êtes combien de licenciés dans ce groupe? Une vingtaine. Ouais. Et vous courez régulièrement? Bah, 4 fois par semaine, on fait un peu tout, marathon, 10 km. Ah, carrément. Trail, on fait de tout. Ouais. Et vous participez à combien de courses dans la saison? Une quinzaine. Toujours tous les trois ou avec d'autres gens? Non, ça dépend. Avec tout le monde, là, bah, il s'est trouvé que ce soir, on était libre à 6. D'accord. Et le fait que ce soit un vendredi soir comme ça, c'est bien ou pas? Ouais, c'est sympa aussi, surtout quand on travaille le dimanche. Ouais, bien sûr. Vous travaillez sur le Havre, j'imagine? Non, sur Douteville. Sur Douteville, d'accord. Et donc c'est bien le vendredi, Ouais, c'est sympa aussi, ouais, en fin de soirée comme ça, surtout l'été, il fait beau. Alors les conditions, oui pardon, excusez-moi, les conditions elles étaient comment là pour courir? C'était agréable? Pas trop chaud. Ouais, un peu chaud pour vous? Un peu de vent. Ouais. Un petit peu de vent quand même. Et le parcours vous l'avez trouvé comment? Difficile. C'est vrai? Ouais, très difficile. Ah bon? Difficile, beaucoup de faux plats, beaucoup de relances. Il y a à peu près 2 km de chemin, pas forcément agréable. Non, c'était assez dur quoi. D'accord. Surtout les 5 premiers kilomètres. Alors les prochaines courses pour vous ce sera où? Là, ça sera dimanche, c'est la course de l'EMA. Oui. La course EMA. C'est une course caritative en fait. Pour la lutte contre le cancer. D'accord. Généralement, c'est une fois par an. C'est à Yvetot, sur la plaine, à côté du terrain de rugby d'Yvetot en fait. D'accord. Alors, moi, j'ai remarqué, puisque je suis de Basse-Normandie, j'ai remarqué qu'en Haute-Normandie, il y a beaucoup de courses. Hein. C'est incroyable. Comment se fait-il qu'il y a beaucoup de courses? Il y a beaucoup de coureurs? C'est parce qu'il y a des grandes villes qui font qu'il y a beaucoup de coureurs? C'est parce qu'en fait, en Seine-Maritime, il y a une densité qui est assez importante. Et donc, du coup, il y a plus de regroupements, il y a plus de communes, il y a plus d'organisations. D'accord. Il y a pas mal de clubs, en fait. Hein. Il y a pas mal de clubs, hein, c'est ça, ouais. Ouais. Donc, on a mis à la course sur route en Haute-Normandie. Ouais, et de plus en plus, il y a le trail qui se développe. Oui, c'est vrai, j'ai remarqué. Au-delà du phénomène national, c'est vrai qu'en Seine-Maritime, ça commence à prendre une part importante. Au détriment de la course sur pied. Hein. D'accord. Et vous aimez bien le trail, vous, j'imagine, ouais? Non, moi? Ah, c'est pas votre truc, non? Bah, après, il en faut pour tout le monde. Oui, bien sûr, oui, c'est ça, il y a une variété quand même, c'est intéressant. Hein. Ok. Eh bien, écoutez, on va vous laisser récupérer. Puis, bah, je vous remercie beaucoup de votre. Alors, bonsoir messieurs, alors vous êtes tous du même club? Non. Nous deux on est au GAPS. Moi je suis né et GAPS. De Saint-Romain. Et moi je suis licencié à Saint-Romain. D'accord, donc c'est dans la tout à côté de Yberlon, c'est ça, non? Yébrelon. Yébleron, pardon, excusez-moi. Alors, vous êtes venu pour quoi ce soir? C'est pour la bonne cause? Pour la bonne cause, ouais. Pour la prime, mais
fait aussi que ce soit une première édition et que ce soit organisé en partie par un copain en fait. Ouais, c'est organisé par voilà, le on... D'accord. Par le biais du bouche à oreille, on a essayé de monter un peu. Alors visiblement ça a bien marché parce que... On a mangé une compétiment, je vais faire un peu tranquille, mais pour la bonne cause, c'est bien. D'accord. Les causes pour la bonne cause, il devrait y en avoir plus souvent. Voilà. D'accord. Et le fait que ce soit un vendredi soir, c'est bien pour vous? Ouais, ouais, c'est bien. Ouais. C'est bien. Parce que je me suis aperçu qu'il y a de plus en plus de courses le vendredi soir à partir du mois de mai, évidemment. Ouais, c'est les 35 heures, ça. C'est vrai. Ça change. C'est à cette période-là, à partir de juin. Oui, bien sûr. Oui, oui. La même chose en avril, mars. C'est un peu... C'est peut-être un peu plus éprouvant physiquement. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Oui. Parce qu'il y a la semaine de boulot. Bien sûr, bien sûr. Mais une fois qu'on est dedans, après, on y pense. Mais bon, il y a le soleil, c'est agréable. Alors, vous l'avez trouvé comment, ce parcours, cette course? Là, c'était un peu dur, non? Ouais, elle est dure, mais c'est sympa. C'est sympa. C'est sympa, c'est le terme haut et chemin. Un petit peu de montée, le vent, la chaleur, mais il faut un petit peu de difficulté. Hein, trop plat, c'est pas... La difficulté, bon, c'est là, ça fait partie du jeu. Alors, vous entraînez plusieurs fois par semaine pour... Quatre fois. Ah oui, et vous, messieurs? Deux à trois fois. Aussi. D'accord. Et vous faites quoi comme type de course? Plutôt ce genre de course, 10 km ou... Des bornes, des semis, des marathons. Ouais, moi, des trails. Des trails aussi? Des sur piste. D'accord. Ah oui, carrément. Là, dimanche, un trail 15 km et le semis d'après 25 km en trail. D'accord. Alors ça, ça devait être des efforts différents, là. Ouais, c'est beaucoup de même. Et vous faites partie de ces gens qui font plusieurs compétitions, là, sans... Et au niveau récupération, ça pose pas de problème? Que sont d'habitude. Ouais. Des moments, je prends 4-5 jours de récup, c'est... D'accord. Faut écouter son corps. Ouais, c'est ça, parce que je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui font des distances différentes. Moi, ça me surprend toujours, parce que... Mais bon, c'est... Bah, comme là, les entraînements, bah, je fais des sorties entre 1h30 et 2h30, en conséquence. D'accord. Alors qu'est-ce qui fait que vous avez couru? C'est parce que avec des copains ou parce que c'est un sport qui vous plaît? Bah, j'ai commencé par le foot. D'accord. Bon, j'étais pas trop bon au foot. Après, vous êtes devenu un sport, vous êtes meilleur. Mais dans ma famille, bon, côté de mon père, c'était la course à pied, côté de ma mère, c'était le foot, comme ça j'ai fait. Vous avez fait les deux pour faire plaisir à tout le monde. Et vous, messieurs? Parce que c'est facile à pratiquer. Ouais. Ouais, c'est un basket. Oui, c'est ça. Ça ne demande pas d'investissement. C'est pas cher. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis c'est simple, il n'y a pas besoin de partenaire, il n'y a pas besoin facile, ouais, on peut, ouais, d'accord, bien sûr. N'importe où, n'importe quand. Et vous en faites combien de courses dans une année? Une par mois. Une par mois. C'est ça, dans l'année. Une 10 à 12 dans l'année. 10 à 12, ouais. Dans l'année, ouais. À peu près. Ouais, 15 ans, une quinzaine, d'accord. Ouais. Et est-ce que c'est vrai que la force de courir, ça devient une sorte de petite drogue? C'est vrai. D'ailleurs, faut que j'y retourne. Mais c'est vrai qu'on voit des gens faire des courses en permanence, même à un certain âge. C'est l'addiction. Ouais, c'est ça, ouais. Complètement. Moi, le programme, je le fais, je le refais, je le rechange à chaque fois, c'est une drogue. Ah, d'accord. Vous bien répondre, redonnez vos dossards. Très bien. À la tente de droite. Eh ben, je vous remercie beaucoup, messieurs. Bonne soirée à vous. Bien, bonsoir. Alors, excusez-moi, vous avez du soleil dans les yeux, mademoiselle. Alors, vous venez d'Ifto, vous êtes venu avec plusieurs personnes, j'imagine, ce soir. Une dizaine du club. Vous êtes un club qui fout. Vous courez beaucoup, vous, en général, votre club. Je marche et puis je cours, ouais. D'accord. Alors, à combien de personnes dans votre club? On est 86 cette année. D'accord. Uniquement pour les courses? Au niveau des jeunes et au niveau adultes, tout le monde est 86. D'accord. Alors, vous faites beaucoup de courses à pied, la plupart d'entre vous? Oui, au niveau des adultes. Ouais. Les adultes. Après, j'ai donné la parole. 10 km, pas souvent. Pas souvent. Vous faites quoi? Vous faites de la piste? Oui, pendant le soir. Et vous faites quoi comme distance sur la piste? 100 mètres, 200 mètres. Ah oui, alors. Ah oui, alors là, c'est tout à fait différent, là. Oui, oui, alors, ils sont attaqués pour la première fois, alors on met 10 km. D'accord, alors ça, vous l'avez trouvé comment ce 10 km, justement, mesdemoiselles? Sympa, ouais, je trouve que le parcours est sympa, il n'y a pas trop de dénivelé, donc ouais, c'est assez plat. Il y a fait un peu chaud, mais sympa. Alors, quand on fait quand même du 100 mètres et que tout à coup, non, quand tout à coup on passe aux 10 km, vous avez fait une petite préparation pour ça ou pas? On s'échauffe un petit peu, après, moi je cours un petit peu régulièrement. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Vous entraînez régulièrement, oui. Voilà. Oui, parce que sinon ça aurait été un peu compliqué quand même. Ouais, je pense 10 km. D'accord. Et vous comptez en refaire d'autres? Ils ont aimé, donc ils en feront d'autres. D'accord. Mais et alors,
Pourquoi vous avez dit tiens la première fois on va faire ça? C'est parce que c'est une bonne cause ou c'est parce que... Non, c'est parce que oui, j'ai envie. Oui, Fabrice nous a proposé, ça nous tentait bien. D'accord. Voilà. Eh ben merci beaucoup. Mais vous allez vous appeler comment, pardon? Juliette. Et Fabrice, le président de l'amicale Yves-toi-t'es-t'es. Très bien. Eh ben merci beaucoup. Bonne soirée à vous.